Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et je vous fais cette vidéo d'information pour vous informer qu'il y a un accès gratuit à Black Ops Vanguard. Donc je sais pas pourquoi ils l'appellent Black Ops, mais c'est Call of Duty Vanguard, c'est sûrement parce que c'est une prolongation de Black Ops. Donc voilà, vous avez le multijoueur et le multi gratuit pendant 2 jours et 18 heures. Donc logiquement, ça se terminera lundi à 19h. Donc le 22 novembre, vous ne pourrez plus jouer à Vanguard si vous n'avez pas acheté le jeu. Donc là, profitez-en pour tester justement le mode zombie et tester justement le mode multijoueur pour voir si le jeu vous intéresse et pour voir si vous voulez l'acheter. Alors pour télécharger le jeu, soit vous allez sur Warzone, ensuite vous allez dans Accès gratuit à Black Ops. Donc voilà. Ensuite, vous téléchargez. Donc c'est celui-là, Free Access novembre 18 au 22. Donc il est disponible depuis le 18. Je n'étais pas au courant, donc désolé du retard. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc voilà, pour tous ceux qui n'étaient pas au courant, vous allez sur le jeu et là vous achetez le truc. Donc moi, apparemment, ça ne fonctionne pas parce que je l'ai déjà acheté. Enfin, j'ai déjà le jeu, donc je ne peux pas le télécharger, mais je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le télécharger. Alors il faut savoir aussi qu'il y a un triple double XP sur Vanguard et sur Warzone. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc double XP pour vos armes, double XP pour vos niveaux et double XP pour votre passe de combat. Donc profitez-en. Alors maintenant je vais vous montrer comment télécharger Vanguard sur PlayStation 5 et ensuite je vous montrerai comment télécharger Vanguard sur PlayStation 4. Alors pour Xbox, je ne sais pas si c'est disponible, je pense que oui, je pense que c'est disponible pour toutes les plateformes, mais je ne saurais pas vous montrer ni sur Xbox ni sur PC comment télécharger parce que tout simplement je n'ai pas d'Xbox et voilà. Et je n'ai pas de... Enfin si j'ai un PC, mais bon, c'est un peu compliqué. Mon PC n'est pas assez puissant. Donc déjà, rien que quand je vais dans l'option recherche, ici, vous avez Call of Duty gratuit Vanguard, accès gratuit aux multijoueurs et aux zombies. Donc juste ici. Mais si vous voulez, vous tapez dans l'option, enfin l'onglet recherche, vous tapez Vanguard, comme ceci. Hop. Voilà. Je me suis trompé dans quelque chose ou pas? Donc attendez. Je vais essayer de taper Call of Duty. Call of Duty. Parce que Vanguard, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Call of Duty. Hop, voilà, on met tout affiché et là on va chercher après. Voilà, Vanguard accès anticipé, donc c'est dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne. Donc voilà, c'est le premier dans la 6e colonne gratuit pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Voilà, il y a les deux versions, donc c'est gratuit pour le multijoueur et le zombie. Logiquement, si vous cliquez dessus, il sera précisé peut-être dans les informations. Accès gratuit Call of Duty Vanguard. Ouais, inclut une campagne. Hein. Il n'est pas précisé qu'il y a le mode zombie, mais bon, je voulais montrer sur Warzone qu'il était bien noté zombie et multijoueur. Donc là, je vais vous montrer comment le télécharger sur PlayStation 4. Ok, donc sur PlayStation 4, déjà quand vous allez dans l'option recherche, il est aussi mis directement dans les top recherches du jour. C'est Call of Duty Vanguard accès gratuit multijoueur. Donc là, vous pouvez y accéder comme ça, ou alors vous tapez, je pense que si on tape Call of Duty, comme ceci, je pense qu'on devrait le trouver aussi dans la liste à droite. Donc non, 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 voilà, il est juste ici, accès gratuit multijoueur et zombie, même s'il n'est pas noté. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mec et ciao. Peace!